Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le cinquième épisode de la série sur Assassin's Creed Origins. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Mais moi, ça va très bien, écoutez. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la quête. À la quête qui va être pas mal à faire. La grosse quête qui fait partie d'une quête principale du jeu. Enfin, nous sommes niveau 5, donc je pense que là, on va forcément y arriver. Donc, il y a 1250 d'XP, donc on va peut-être monter level 6, trouver et tuer Medunun. Donc, je suis partant à 424 mètres d'ici, donc on va essayer de débloquer ça tranquillement. Donc, je pense qu'on y arrivera largement avec toutes les quêtes que j'ai. De toute façon, toutes les quêtes sur le ici ont été terminées, donc quasiment toutes les quêtes annexes ont été terminées. Bah oui, toutes les quêtes annexes sont terminées, donc je vois pas ce que je pourrais faire d'autre de toute façon. Donc voilà, c'est un dernier épisode de 20 minutes donc aujourd'hui. Donc je continue à la suite des autres, hein, du 4 et du 3 et du 2 et du 1 quoi. Etc. etc. Je sais pas si là je vais prendre cher en termes de dégâts ou je le sens pas, tu vois. Comment je fais pour descendre? Ça paraît plutôt haut en fait. Oui, j'ai pu me rattraper. Donc c'est bon, j'ai eu la chance de pouvoir me rattraper. Soit on va descendre le plus bas possible. C'est bon, tu peux. Nickel, merci. Bon, je commence à prendre les touches, c'est pas mal. Oh, je joue avec manette, hein, c'est 10 fois plus pratique que de jouer avec le clavier et la souris, là, je vous avouerai. Et c'est 10 fois mieux. Genre, vraiment 10 fois mieux que. Bon, j'ai perdu un peu de dégâts, mais je vais régénérer assez rapidement. Donc, au pire, je m'en fous un petit peu. Par contre, j'avoue que le paysage, vraiment nickel, quoi. Alors, Sinou, j'espère qu'il va pouvoir m'aider. J'espère qu'il va pouvoir avoir ma monture. Bon, remarque, ça servira à rien parce que j'ai pas mal de choses à escalader, donc je suis pas très loin non plus. Ah, ça risque d'être ultra tendu. Ouais, ça risque d'être vraiment, je crois, le cas. Ça va être super chaud. Bon, je vais tenter, mais je vous promets rien. Je vous promets absolument rien parce qu'avec tous les sbires. Merde, il y en a déjà là. Alors, rien que des flèches, il en faut je sais pas combien. Ah, t'as décidé de crever, c'est ça? Bon, bah écoute, je vais réaliser ta 300, je pense que c'est pas mal. 300 et un peu plus. J'ai récupéré toutes les flèches qui m'étaient dues, c'est ça? Alors, faudrait que je tue autour de ses sbires. Je vais peut-être pas tuer tous ses sbires. Mais si j'arrive à tuer les gars qu'il a autour de lui, ça pourrait être sympa, mais sauf qu'il s'est trop au corps à corps. Genre comme il a su déjà. Bon, moi lui il est simple, bon ça c'est fait. Il va falloir que j'affronte tous ces sbires. Bah déjà tu vas venir là. J'ai pas besoin de ça. Merci. Ça c'est fait. T'as la chance, j'ai plus de flèches. Pour esquiver, c'est pas facile, mais au moins je vais y arriver. Je vais juste récupérer mes flèches, c'est tout. Vas-y. Non, là ça va être chaud. Allez hop, ça c'est fait, dégage. Merci, maintenant je me barre vite. Et ça c'est fait. Oh, j'ai enfin réussi. Oh, c'était tendu, hein. Ah, ça y est, j'ai une cinématique. Enfin, un rêve plutôt même. Ou une révélation. What? Toi, tu es revenu. Oui. Justice, je meurs mon œuvre inachevée. J'étais si près d'accomplir le règne éternel des forts, des sages et des vertueux. Oula, je crois que je devrais prendre la manette. Nous offrira le pouvoir des dieux. Alors la vie d'un enfant, la vie d'un enfant. Ah, oh, c'est son fils? Mais non. Ah, ça risque d'être compliqué alors.
Bon, bah s'il n'y a pas d'autres révélations, on va se laisser là pour cet épisode en cas. Mais bon, c'est pas sûr. On va voir. Ah, c'est pas fini. Ah, c'est le fils de... D'accord. De notre meilleur ami, quoi, en fait. Comme ça, j'en aurai deux. Bien sûr. Bon. Lève, tends. Prêt? Oui. Et... Kemu, par ici! J'ai trouvé la caverne des hyènes! La caverne, oui! Bah vas-y! Tu vas l'adorer! Il y a au moins 16 hyènes! Elles sont toutes noires et effrayantes! Eh ben, en fait, je préférerais aller chasser avec mon papa. Oh, t'as toujours peur de tout! Eh! Hey. Hey. Et si on allait chasser pour de vrai? Hein? Allez, viens. D'accord. Qu'est-ce qu'on va chasser? Oh, on incarne Kenou au groupe de Boucotin. Tu te tiendras à côté du pharaon. D'accord. Au moins je... Donc je suis... Non, je serai Medjay. Je serai aussi à côté du pharaon. Tu seras jamais Medjay. Tu as bien trop peur. C'est pas vrai. Et la grotte aux hyènes. Ah, c'est stylé. Bon, on va y aller, le faux oracle. Donc on va y aller jusqu'à là-bas. J'aimerais quand même juste poursuivre un petit peu parce qu'on n'a pas fini le faux oracle. C'est à 90 mètres, par contre j'ai peur. C'est le passé, là on est dans le passé. Le chien c'est là. Il est mort. Aux grandes cordes. Maintenant tais-toi. Fais comme moi. Parfait. Tu vois, mes yeux et ma main sont alignés sur la flèche. C'est la seule manière de viser juste. J'aimerais pouvoir tirer 100 flèches avec cet arc. 100 flèches, t'inquiète que tu les atteindras, va, en étant plus grand. Aura plus de temps ensemble. À profiter de ces moments. Pourquoi j'arrive pas à le toucher? Reste avec moi. On pourra le faire tous les deux. Voilà, non, je sais pas. Mon préféré. Laisse-toi. Ah bah on va appeler ça nous de toute façon, mais juste récupérer ça. Pour savoir où il est. On n'est pas loin. Bah c'est ça, non? C'est nous! C'est nous! Allez, viens me voir! Pourquoi tu appelles c'est nous? Shenzira m'a dit que je devrais voler ses plumes. Comme ça, je pourrais aller au champ de... Ah, dommage. Je passerai devant Anubis. Ah, je vais le rappeler. Mais c'est où? C'est bon, je l'ai repéré, nickel. Nickel, 40, parfait. Un tir en plein cœur ne fait presque pas souffrir. Ah ça c'est sûr. Allons chercher ça. Objet de quête, nickel. Porterons ça à l'oracle avant la pompe de l'eau. Il faut aller à 800 mètres d'ici. Ouh. Je vais tirer une flèche à travers le soleil. On va aller où du coup, juste là-bas. À condition que ta flèche soit comme c'est nous. T'as raison. Si ma flèche était comme c'est nous, je pourrais chasser tout ce que je veux. Tu as dit que tu aimerais... Donc on va aller au... rejoindre le temple d'Amon, oui, avec Kenou. Et si tu venais avec moi. Et là, je pense que ça va continuer. J'ai... En tant que fils de Medjay et futur Medjay. Papo, on y va. C'est quoi un Medjay en vrai? Le premier Medjay était le protecteur du pharaon. Mais ça signifie que tu dois veiller sur tout le peuple d'Egypte, pas... Ouais, en gros, à la Assassin's Creed quoi. Pas seulement le protéger, mais œuvrer pour leur bien-être. Ouais. Oh Papo, je suis si heureux de devenir Medjay. Toi, tu connais tous les secrets de Siwa. Et si je ne deviens jamais Medjay... Tu le deviendras. Et mon fils. Mais ça me fait peur. J'essaye d'être courageux, mais parfois c'est dur. Attends. Passons par là. Tu veux passer par où? Quand j'avais ton âge. Il veut passer par où juste? Ton grand-père était un Medjay. What? Il veut passer par où? Et il tenait...
Ah pareil, c'est plus rapide en passant par là. J'écoute en fait ce qu'il dit, c'est pour ça c'est intéressant. On va descendre en bas. Un seul mot. Ça m'a transformé. Allez go. On va essayer d'y aller. On va monter tout là-haut. À la pointe d'Alma. Donc comme ça, ça sera fait. Et là je vais obtenir par contre toute ma quête, vu que c'est la quête principale du jeu. Bah j'ai enfin réussi. Hop, bah si l'épisode est un peu plus long, m'en voulez pas, j'avais envie juste un petit peu de continuer. Je pense que vous allez pas m'en vouloir du tout même. J'adore sauter comme ça, c'est juste trop classe. Il va arriver à me suivre, de toute façon Kenou, il n'y a pas de souci. Ah ça y est, une note cinématique. Parfait. Ah, de faire un saut d'ici. Waouh, ça chaud. En gros, ça veut dire aller de l'avant, quoi. Mieux vaut garder la bouche fermée. Ne réfléchis pas. Saute. Oui, papa. Allez, crois-moi. Tu peux. Je sais. J'y vais. Alors saute. Bon, reviens. Tu n'es pas encore prêt. Je peux le faire, papa. Je peux. Ouais, si tu peux le faire, tu peux le faire. Ah, il se passe quoi? C'est Shenzira qui l'appelle. Retourne auprès de ta mère. Ne t'inquiète pas pour Shenzira, je m'en occupe. Va, allez. J'ai peur, papa, je veux pas rentrer tout seul. Oh, Kemo, pour une fois dans ta vie, ne sois pas lâche. Va! Je suis bien le Medjay ici. Qui veut me parler? Range ton arme et suis-moi. T'as dit que tu voulais juste lui parler. Ah, on va se laisser là. Parce que j'ai pas envie d'aller plus loin. Donc j'espère que ce petit long épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et puis de mettre un petit commentaire. Et on se retrouve la fois prochaine. Allez, ciao, bye.